Je me nomme Kessé Joro Chris Israël. Je suis en classe des CM2, j'ai 9 ans. Mon activité préférée en français, c'est le jeu de bingo. Parce que ça me permet de reconnaître les lettres et de les écrire. Ça va? Oui, madame. En mathématiques, mon activité préférée, c'est l'addition avec la monnaie des enfants. Ça me permet de faire les achats quand mes parents m'envoient. Quand je lis en classe, je me sens bien parce que j'apprends de nouveaux mots. J'aime le PEC parce que ça me permet de bien lire et de pouvoir calculer. Je me nomme Gayemima Sephora. J'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2. En français, j'aime le jeu du panier parce que le jeu du panier me permet de reconnaître les lettres et de savoir lire. En mathématiques, j'aime l'activité sauter sur les nombres. C'est amusant et ça me permet de reconnaître les nombres. Quand je lis en classe, je me sens joyeuse. J'aime le PEC parce que j'apprends et je m'amuse. Je me nomme Kone Marie-Ange, instructrice à l'EPP Autopole dans l'inspection d'Oupoyo. Les activités du PEC se déroulent à l'extérieur, de préférence sous les arbres pour pouvoir profiter de l'ombrage. On peut aussi aménager la salle de classe pour pouvoir faire ces activités. Depuis que nous faisons le PEC, nous avons constaté que les enfants apprennent plus facilement. Parce que dans le PEC, on associe l'apprentissage au jeu. Ça veut dire que quand les heures de PEC arrivent, les enfants sont les premiers motivés à nous appeler pour dire de venir faire l'activité. Avec le PEC, après une bonne pratique de 3 mois, on voit qu'il y a une certaine évolution où l'enfant qui ne savait même pas déchiffrer un chiffre ou bien une lettre arrive à associer les chiffres pour trouver des nombres et des lettres pour former des mots. Tout ça mis ensemble, on pourrait dire que la venue du PEC a un bon impact sur les apprentissages à l'école. Une fois, en rendant visite à une amie, j'ai trouvé un groupe d'enfants en train de jouer. Je me suis rapprochée pour voir parce que j'ai entendu les chansons que nous avons l'habitude d'utiliser ici pour faire les dynamiques du PEC. J'ai constaté que ces enfants-là étaient en train de pratiquer les jeux du PEC que nous avons l'habitude de faire ici. Je souhaite une bonne journée de l'alphabétisation à tout le monde. J'encourage les parents à inscrire tous les enfants à l'école, surtout la jeune fille, pour qu'il y ait un meilleur épanouissement de la femme plus tard.